Le mandat, c'est attentif à la parole de Dieu. Oui. Alors, si tu seras nous penser, bien attentivement à la parole de Dieu. Comme un disciple dit à Seigneur, enseigne-toi à prier, tu vas pas Jean-Baptiste, mais enseigne ce baptiste à prier. Est-ce que vous avez dans notre bien qui est Jésus, etc. Comme ça, bien la prière. Après, donne-nous le pain quotidien, le pain de chaque jour. Mais dans mort, il y a le pain de ce jour. De ce jour aussi. Le pain de ce jour. Vous pourrez dire, ouais, parole qui me sentait les envies dans le passé. Sa parole, tout dans l'air, cette parole ou cette envie. Oui. Sa parole là, cette parole ou cette envie. Vous ne pouvez pas mettre la situation, parce qu'il y a mon sens, un événement, qu'on peut faire face. Vous pouvez donner une réponse, une solution. Oui. Vous gagnez la parole. Sois attentif. Chaque mot, ça s'en va. Oui. Souvent, dans le passé, nous venons presser un temps. Pourquoi on a un problème? Après, la personne venait expliquer une situation. Oui. Mais déjà, là, Dieu peut nous donner une parole, une réponse en dehors de sa parole. Là. Donc, une parole, une réponse. En dehors, ça parle, il donne les paroles là. Oui. Détail. Il peut avoir une autre réponse. Il m'a dit en dehors. Oui. Après, la réponse est dans sa parole. Dans sa parole. Un homme de Dieu, je vais vous écouter le Gonzalez. Il donne la parole de Dieu. Il explique en détail. Elle sait venir expliquer sa situation là. Oui. Il dit, mais vous donnez la parole là, ça donne. Ça vous ne pouvez pas appuyer pour moi. Mais c'est le bon nom. C'est le bon nom. Priez là, priez pour Sarah, il explique à moi, priez pour Sarah, c'est la finale là-bas, mais priez. Faut qu'on ait une réconciliation, c'est la récolte de sa religion là-bas. Ça, c'est la récolte dans la religion qui veut prier. Habituellement, les autres, ils ne vont pas faire la vie. Réimpose la religion. Quatre fois, c'est la récolte dans la religion. On écoute ça hier soir là. Déjà, quatre fois, ça, c'est la récolte de sa religion qui veut prier là-bas. Ouais. Explique-lui bien. Prier, quatre fois il veut rentrer. Là, le cinquième fois, il fait une remise de l'église. Est-ce que c'est avec vous mettre dans la parole là, là, miracle, ou bien miracle dans la parole. Vous êtes plus attentif. Il y a fort dans ça là. Vous êtes, pourquoi vous mettez dans la parole là, mais pas ça que vous attendez. Vous avez besoin de nous, non. Vous voyez la Bible dans son sens. Si vous lisez le psaume 103, vous prenez le psaume 103, psaume 104, psaume 105, psaume 106, ce psaume-là, il commence par la louange, ça va vous connaître. Oui, oui, c'est vrai. Ce psaume derrière le plat, c'est David qui est comme ça. On ne va pas mettre nos David. Mais toi, vous pouvez les lier ensemble. Ouais. Si vous prenez le psaume 103, pas avant aussi pareil. Mais si vous prenez le psaume 103, psaume 104, psaume 105, psaume 107, tout ça, il commence par la louange, ça va. Il termine par la louange. Alors, autant que mon capable, Dieu ne dirige pas le psaume 107. Autant que mon capable, vous avez arrêté, trouvez-vous dans ça. Vous voyez qu'il a besoin de nous, chacun, la parole, c'est pas le miroir. Oui, oui, mais. Dans mes sens, la guérison, délivrance, transformation, protection, Dieu prend nous soin. Ouais. Dieu pourvoit nous prendre besoin. Oui. Dieu nous prend directive. Oui. Dieu conduit à nous. Vous dites dans mes sens, là. Pourquoi mes formes, Jésus? Pourquoi le premier fois vous lisez ça sur le sens Je vais chanter pour une fois. Nous viendrons le second, tout cas, vous suivez, en même temps qu'avec les autres traductions. Par qui commencer là? Louer, sommes censés. Par qui commencer? Louer les bien-être. Voilà, l'autre. Tout va, autant que vous l'appelez en français, tout ça commence par van bear. C'est van l'ordonnance, c'est van commandement. Venez à moi, un autre ça. Allez pour tout le monde, un autre ça. Soyez miséricordieux comme mon Père Céleste. Ouais. Soyez compatissant. Soyez toujours joyeux. Donnez, Dieu va donner. Ouais. Soit la balle qui commence par le verset, c'est l'autre. Et d'ailleurs, appelle la parole de Dieu. L'ordonnance. Si vous allez consulter que vous avez besoin de l'ordonnance, une prescription. Dans son cas, il pose prescription. Sommes en train de l'ordonnance, prescription, que la loi de l'Éternel, que la parole de l'Éternel,
que statut STAUDUDS, pas statut, STAUDUDS, mais c'est pas l'ordonnance, pas de prescription. Si médecin a une prescription, l'ordonnance, vous êtes suivi à la lettre. Alors là, c'est Somme 107 qui nous fait préciser. Là, là on a une référence. Dès lors, verset bon Dieu, rappelle-moi le Somme 147, verset 15. Sa parole court à toute vitesse. Somme 147, verset 15. Sa parole court à toute vitesse, avec rapidité. Plus qu'elle part sur ses gauches. Alors, si vous, il a là, recevoir la parole. La parole est une parole en Dieu. C'est une parole que vous attendez. De louer l'Éternel quand il est bon. Je ne sais pas si c'est arrivé là, je vous l'ai dit. Quand il y a la guerre sur l'armée, il y a des chroniques bien. Je danse et je sens la louange. Louer l'Éternel quand il est bon. Quand sa miséricorde durera toujours. Remarquez, durera toujours. Forever and ever, en anglais dire. Durera toujours. Son miséricorde, son compassion, son amour, son bonté, durera toujours. Qu'ainsi, verset 2, qu'ainsi disent, dans ce tapis pour ça, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Comment on va racheter l'Éternel pour poser? Et la question c'est qu'ainsi, ainsi pas autrement, de cette manière, qui va racheter pour poser? Pour louer le Seigneur. C'est qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, nous ne pas racheter l'Éternel, nous. Amen. Racheter, justifier, lavé, blanchi, purifié par le sang de Christ. Le mot racheté, il n'a acheté nous. Il a acquéri à nous. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ça grand prix, c'est le sang de Jésus. Nous appartenons à Dieu. La propriété de Dieu. Alors, la façon qui va le racheter, vous a posé. Pas le racheter pas qu'à cause mentir. Pas le racheter pas qu'à servir tromperie. Mensonge. Oui. Séduction. Qu'ainsi disent les rachetés. À cause de la dixième mal qui se. Vous pouvez étudier la parole de Dieu dans Corinthiens, la parole de Corinthiens. Pourquoi pas Paul qui a dit la dixième? Vous êtes dixième mal conversation. Vous êtes dixième mal parole. Vous pouvez souligner ça dans la Bible, vous pouvez souligner comme quoi le mot discerner. Pourquoi pas que quelqu'un parle discerner? Ah, c'est petit qui sont malheureux en même temps. Comment dit vous qui sont les cap? Et comme vous êtes étudiés, vous êtes étudiés, si il mine de Dieu, ou bien il est familiarisé, même un chrétien qui a cause en moi. Vous examinez, vous êtes étudiés. Il n'a pas inspiré la parole là. C'est qu'ainsi Dieu s'est racheté de l'aile. Ceux, remarquez, ceux, ce mix, ça va nous ceux-là, ça nous a besoin. C'est nous. Ça va nous racheter là. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, qu'il mettait dans la Bible là. Oui. Ça va nous racheter là. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, que c'est l'ennemi là, ça. Le diable. Mettez-vous au singulier là. L'ennemi là, mettez-vous au singulier. Qui fait? Parce qu'un simple ennemi, c'est Satan. Ah bien l'adversaire de nos frères, acquisateur, destructeur. Oui. Nous ne pouvons pas camarades avec lui, nous. Ceux qui l'ont délivré de la main de l'ennemi. Bon, on tient sur la main puissante pour tient nous dans le royaume ténèbre. Oui. Ah bien le service aux puissances, sur la main puissante pour délivrer le peuple du pays de l'Égypte de la main du Pharaon. Il a bien l'armée des causés. L'armée est la puissance, pouvoir. Bon Dieu, il agit à ce pouvoir ou tient en pouvoir Satan. Oui. Là, quand il cause l'armée, il cause activité, il cause pouvoir, il cause puissance. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Qui va le racheter, vous dire? Vous êtes loué, bon Dieu. Oui, bon, merci, Saint, de miséricorde, de compassion, de bonté, de la grâce, de protection. Vous avez pas loin sur lequel nous la mousse. Vous avez rappelé nous qui montait, qui l'a délivré, vous avez fini délivré de la main de l'ennemi et qui l'a rassemblé de tous les pays. En famille, de tous les pays, là, nous pouvons partir là-dedans. De l'Orient, l'Occident, mais l'Est, l'Ouest, Nord, Sud.
quand nous lisons ça somme sans, c'est donc vous dans plusieurs catégories de personnes. Vous êtes trouvés là-dedans. Peut-être que ce qu'on a où la vie passée. Vous savez ça, vous pressez ici là, vous rappelez-vous, moi vous dites, j'aime dans la vie passée. Négatif. Pas le passé négatif. Ou la vie avant quoi une chère ou y a maintenant dans le royaume de la lumière. Oui, oui. Sans royaume. Ah, c'est pour ça que ça se comprend, c'est ça. Quel verset 4. Il, IRS, ça va le groupe, ça va le personne là. Il errait dans le désert. Vous étudiez pas le mot, moi. Vous prenez le temps, vous étudiez pas le mot. Errer, ça c'est errer. La même chose que le mot erreur. Et vous connaissez que là, bon, quand vous avez le mot, nous parlons ici, nous. Vous avez entendu qu'il y a un chien errant. Oui, Pénamé. Mais la Bible nous dans Esaïe 53, nous étions comme des brebis errants. Oui, égarés. En fait, on est égarés. Oui. Tu me disais ça, égarés. Oui. Sans but. Vous prenez un but. À la droite, à la gauche, à l'écoute. Combien de temps longtemps nous sommes dans le monde? Mais votre délivrance, elle tape la pointe, elle part là, elle l'autre, elle là-bas. Moi, je me suis dit moyen du diable là. Moi, je me suis dit moyen du diable là. Elle penche, elle parle là-bas, l'autre, elle vaut secours, elle vaut délivrance. Oh, Dieu, au bon Dieu. Attends, comprendre ça, c'est là. Celle-ci, un chrétien est le nouveau et elle vaut délivrance avec. Mais non, pas pour le monde. Moi, pas pour le monde. Un seul secours est là, c'est Christ lui-même. Oh Dieu, c'est si bien c'est pour ma famille. Oh Dieu, c'est Christ, son parole, son Saint-Esprit. La peine à délivrance. La peine à protection. La peine à le salut. Le salut vient de l'Éternel, la Bible. Miracle de Jésus-Christ. Une Saint-Esprit. À quoi ça nous dit n'a pas. Ça m'a erré là, c'est mon traduction en langage créole. Moi, je m'a dit que l'abriti. Oui. Je m'a dit paré. Vous avez entendu ce mot abriti là? Je m'a dit que l'abriti. Je m'a dit paré. La vie connaît qui vous pouvez draper. Crape ça là, ok. Mais nous n'avons plus ça, c'est là. Non. Nous n'avons plus de la vie. Amen. Là, peut-être qu'à demain qui soit passé, il, un tout ça groupe là. Là. Ça ne permet pas tout là-dedans. Oui. Tout le monde a abriti. Et vous avez parlé. Qui est parlé? Qui est-ce que vous êtes trouvé? Qui est la peau que vous êtes amé? Qu'est-ce que vous l'avez trouvé? Dans Esaïe 30, Esaïe 30, avec Esaïe 31, commencement. Il y a malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte parce que c'est beau pour les parents. Oui, oui, oui. Alors, votre secours, on va aller la bien sous les ailes du parent, la protection. Je quitte moi, dans Jérémie chapitre 2, je fais une réponse avec le peuple. Je commets un double péché. Je dans le ciel, je vais frémir, frémir. Je mon peuple qui commet un double péché. Je n'abandonne moi la source de vie, car pour ce bassin qui est approuvé du tout de l'eau qui est perdu. Un bassin, mais un bassin n'a pas de l'eau qui est là-dedans. Un bassin, vous consommez le bassin, vous allez prendre de l'eau, vous allez prendre du bassin. Ils sont aussi dans l'extérieur de rentrer. La source ils jaillissent de l'hiver. Dieu, c'est nous la source, maintenant. La source de la guérison, la source de la délivrance, la source des bénédictions, la source des miracles, la source de la joie, de la paix. En dehors, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, n'a peine à la joie, n'a peine à la paix. On va être dans notre réponse là. Il errait dans le désert. Il marchait dans la solitude. Remarquez. Qui s'est appelé dans le désert que vous trouvez? Sable. Sable, oui. Dans le désert, il a dit sable. Dans le désert, il a un sacal. Et ça va me mettre sauvage. Il a un bébé sauvage dans le désert. Ou quand vous pouvez traverser une situation même ou dans le désert. Quand vous mettez du sable, quand vous mettez tout problème même. Dans le désert, il y a un scorpion, il y a un serpent brillant, il y a un brigand attaqué, C'est bien drastique, c'est gêné avant de parler, ça parcourt ce pays-là. Bon, il y a des premiers autres, des autres cimés. Parce qu'il y a un brigand qui a attaqué. Quand il y a un petit pareil, il y a un brigand qui est délié, dévalise ce monde-là. Prends-en avec comme esclave, prends-en avec l'autre,
et pas nous autres comme esclaves. Nous sommes en train de danser dans ce bonheur de famille. Il est dans le désert, il marche dans la solitude. Quelle solitude? Tous ces fatigues, tous ces. Où les guerres vivent. Ma famille, c'est un chrétien. Où est dans la parole de Dieu? Où est dans le Saint-Esprit? Où est dans la grâce bon Dieu? Mais allez, l'ami, où est dans la Bible? La Bible, là. Pas seulement pour être libre, il n'y a pas de pasteur qui dans les autres. Ou la DVD, ou la Bible, tout cas des dimensions, tout cas des choses, traduction. Pas qu'à rester qui habite. Soit tout vide, pas capable ça. Si vous sentez ça, n'a pas rester ça à l'état là. Pas qu'à rester ça à l'état là. Non, pas accepter ça. Penser, c'est pas qu'à dire penser, mais non. Appuie plus sans Christ dans penser là. Vous avez quelque chose ici. Pas dans le pasteur, mais il a posé les mains, besoin les mains. Quand l'on chante d'huile là-haut, il y a parole là. Quand on est en train de s'assommer sans cette là, ça somme sans cette là. Vous mettez ça par l'orgueil. Si vous pouvez être permis, vous récitez avec vous là. Vous mettez ce la Bible là, vous récitez pas le verset là avec vous. Mais ça va pas lier, pas de tête, monsieur Mouzin. Vous êtes diamant les soins dedans. Qui désire de causer là? Qui le solide? Soit vous tout seul. Mais si avec Jésus-Christ, vous ne pouvez pas sortir tout seul. Tout le monde dit ça. Au cas tout seul dans la case, pas tout seul bon Dieu avec. Mais si un petit monde, il fait la connexion avec bon Dieu. Comment entourer en tout cas quelqu'un monde, sortir tout seul. Mort sortir tout seul. Seigneur, ça vous fait un ennemi, vous ne laissez pas tout seul. Cet homme contre la piscine de Bethesda. Veux-tu être guéri? Tu fais la personne. En dehors la parole de Dieu, en dehors sa parole là, fait le miracle. Si vous ne pas recevoir la parole là, vous ne pas accueillir la parole là, vous ne pas pouvoir la mettre en pratique, vous n'avez pas le miracle. Non. Dans le monde où vous pouvez mourir là, vous pouvez être bizarre, arrêtez. Bon, vous dites casse-moi la peau dans le monde, casse-moi le verrou. Qui met casse-moi la peau là? Dans Somme 107, il y a ça. Dans Somme 147, il y a des mentions de ça, et ça, il mentionne ça. Somme 147, vous êtes premier en 4 à 5. Tiens, mon casse-moi la peau de bronze là. Oui. Il y a les peaux de Pierre-Yel. Il y a une seule la peau, même celle la peau qui fait. Plus j'ai la peau qui a fermé, dis-moi. Si vous mettez confiance dans le bon Dieu, dans le Saint-Esprit, dans son parole, on a la cassée. Brise pas le verrou là. Oui. Qui peut pas. La peau qui a fermé, on ne peut pas faire pas devant. On ne peut pas sortir en dehors. Par la peau ouverte, c'est ce qui est un bon brebis. Il rentre l'autre sortie. Vous pouvez pas de bon pâturage. Sorti où tu sais, les guerres habitent. Non, moi, pas cette question. Vous êtes blessé, vous pouvez opérer, vous pouvez pas égarer, vous pouvez vous l'avez ici, éparé, pourquoi vous le voudrez faire à votre secours, Non, vous l'avez préparé comme à longtemps. Non. Nous sommes d'accord avec moi, ma famille. Non. Et ça, moi, je ne peux pas faire ça en place. C'est vrai. Mon avocat, personne n'a place. Vous voyez, où qui recevoir, où qui agir dans sa parole. Je fais dans le là, on va prier dans la place. Vous pouvez intercéder, vous pouvez prier vous. Ça met ça à ça. Parole, c'est pour moi avant. C'est pour vous. Mais dans la parole là, qui fait parole là, c'est Dieu qui peut recevoir dans sa parole. À ce moment-là, parole-là, vous recevoir, ou vous mettez en pratique la bouche ça, la bonne causée. La question vous a réservé, vous ne pouvez pas accepter. Pas tout le monde désert, non, vous répétez. Dans la solitude, il marche dans la solitude. Mais moi, c'est pas du monde, vous avez fait la vue. Vous voulez qu'il y ait une accepter ça, moi. Pierre vous dit, nous étions comme des brebis errantes, mais nous sommes retournés. Mais le pasteur et le gardien de nos âmes. Oui. Ne nous pas errant, nous. Vous connaissez la main de sa parole? Non. Pas ce que vous voulez, non, c'est pas. Mais jamais entendu être sa parole, ça. Non. Mais moi, c'est beau miracle, l'aurait beau la cousine. Elle sa parole, c'est sa parole, ça. Il n'a pas arrêté de parole, là. Et puis, venez avec lui. Vous pouvez pas sortir, vous venez me mentir. Je reste même. Il a arrêté de marron, il est même. Ouais. Non, il ne peut pas vrai. Quand c'est quand même rien, il réel, pas pour lui, c'est pareil. Comme c'est assez tapé, il y a la barre au départ, tout. Et
donne comme ça, c'est que ça finit, Yako. Arrête, c'est assez de papa. Arrête, c'est quoi en ce moment? On ne doit pas manger ça, mon appel. Ouais. Elle dit, on peut manger sur le pied, mais on a passé de tomber avec madame et de l'autre côté. Là, vous êtes, vous devez mettre ça. Quoi? Et pourquoi là? À Bochel, pas là-bas, quand nous connaissons ça, c'est Jésus-Christ là, mon père. Attachez-vous que ça, c'est Jésus-Christ là. Attachez. Bien, c'est le plan avec lui. Oui. Nous avons continué, c'est de même oui. Il est venu dans le désert. Et dans le désert, bien sûr. J'avais tenté, vous carrez ça là. Donc ça veut dire que tu vas l'engager. Mais attendez. Carré chaud. Qu'est-ce que c'est l'expression carré chaud là? Qu'est-ce que c'est carré chaud là? C'est des carré chaud. Mais attendez. Qu'est-ce que c'est? Carré chaud, vous voyez? Carré met l'eau d'hiver. Fait la délure. Non, je n'ai pas d'âme. Avec nous, non. Ouais. Oh, nous, non. Non, non, non. Non, il n'est pas vrai. C'est une situation, oui. Situation là, puis ça change. Il est dans le désert, pourquoi vous dites ça? Il est dans le désert, mais pourquoi? Qui bout là? Désert, ça me porte, problème pas ici, problème pas là, qui bout? Peut-être que tu nous as longtemps. Là, c'est pas ici. Sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait, ça va bien, c'est là, c'est ça. Il souffrait de la faim et de la soif. Ah ouais. Capable de marquer le chiffre de la montée, mais d'abord. Mais c'est pas quoi il posait pour une âme. Ouais. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Quand c'est languissante, c'est le gars abattu. Ou l'âme abattue. L'âme abattue. Quand, si vous sentez découragé, pas restez où la case. Venez pour la parole de Dieu. Oui, bien, vous avez. Ouais. Puis il écoute la parole de Dieu. Faites ses épaules, il ne peut pas mourir. L'ambissante, quand c'est l'ambissante, il y a battu. Mais dis-moi, comme tu disais, il y a 27 ans. Arrive, ça qui arrive. Non, ça nous l'engage, ça. Non. Non, ça nous l'engage à le racheter, ça. Non. Arrive, ça qui arrive, que sera, sera. Non. Non, non, non. Je prends la vie comme elle vient. Non. Non. Je prends la vie comme Christ, montre-moi. Ouais. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante, abattue, désespérée, dans leur détresse. C'est pas que tu connais que c'est un peu équipé. Parce que c'est un bon Dieu. Oui. Priez. Après, c'est un chrétien pour quoi? Priez. Yes. Pour faire briller ma pierre, Pierre, quand tu règnes Christ, tu peux suivre Jésus de loin. Oui. Pierre, tu peux suivre Jésus de loin. Rentre dans la cour. Jésus, si j'ai le balou, il y a 6 côtes bananes, mais 10 pays là qui perdent. Il y a 6 pommes, ça va nous dire qui va trahir Jésus, qui va crucifier Jésus là. Il y a le lit avec saute. L'homme qui a régné, il va régner Christ 3 fois là. L'homme qui a régné Christ 3 fois là. Non, pas suivre Jésus de loin, mais il y a celle avec Jésus-Christ. Attachez que sa parole là. Dans la détresse. Qui ça pour crier là? À la vie, il crie à l'Éternel. Yeah. Et qu'est-ce que ça? Qui va se venir après? Et les délivrants de leurs angoisses. Mais bon, j'ai pas entendu. Délivrés. Mais c'est des angoisses, confusion, trouble, tourment, angoisse. Pourquoi qu'ils coûtent pour trapper? Et qu'il y a là, mais pas de folle. C'est peut-être un mot la main de famille. Pourquoi une expression, nous savons pas une expression mauricien qui nous connaît? Après, on est la tête fatiguée. Donc, la tête fatiguée, nous vidons. La tête vide, la tête nous. Nous vidons des pays ça. Et dans la parole de Dieu, dans le Saint-Esprit. L'autre fois, le pasteur de Victor, on a le message. Parle en langue. Moi, nous n'avons pas empêché de parler en langue. Nous n'avons pas une solution. Mais la parole de Dieu, ma famille. Vous vous souvenez quand c'est pas le deuxième mois, mardi matin. Vous nous laissez pas nous conduire. Vous l'avez coupé comme nous la tête là. Mais là, mon plus de papier, si vous avez une révélation, pas d'entrée, pas de me créer à l'île. Mais quand ce pas 4-5 versets, nous ne voyons pas. Pourquoi il y a des bonnes rédos, nous la soutenons. Et là, pour nous, il y a 26 versets. Et bien, Jésus-Christ, il y a un bon Apocalypse avec 3 versets 7.
verset 6, 7, 8, etc. Je me mets devant ta main pour trouver tout personne ne capte. Et d'ailleurs, dans les années 45, là, sa main la porte est ouverte, pas vous fermer encore. La porte est ouverte, pas vous fermer encore. Répétez-moi la même famille. Qui la porte qui permet du monde? Ou au nom de Christ, vous cassez sa main de vous là? Tout le monde pense qu'il fait sans son. Oui. Vous avez peut-être vous arrêter là. Oui. Qui fait sans. Vous avez une révélation là. Sans son, maintenant, on s'est fait la ville. Dans la ville. Qui dit père? Samson, bon, ça, il prend la porte de la ville, il y aller. Il tient la porte de la ville, la porte de la ville, bien ça. Mais Samson, bon, puis Saint-Esprit, il tient la porte, qui racine la porte de la ville, il amène l'autre sur les deux, la tête à la montagne. Pour montrer une montagne avec une la porte. Vous voyez la porte, ça pose des yeux. Qui ça? Il tient les sons dedans. Qui peut tenir la porte? Pour libérer ce monde là. Oui. Elle la porte, fermé. Nous l'avons dans le captif, vous dites que nous l'avons sorti. Et la main de la porte nous a déraciné. Amen, amen. La déraciné ça la porte guette là, la porte pauvreté, la porte tristesse. Vous répétez à moi là? Pas qu'il détresse, c'est pas stress, c'est pas comment on appelle ça. Non, vous ne pouvez pas que ça, vous ne pouvez pas déraciner ça la porte, mon solo de haut. Parce qu'il y a même la porte de brebis, ou brebis qui rentre sorti, qui est bandé par tirage. Bloqué, bloqué. Un bloquement empêche-moi d'aller. Il n'y a pas de personne bloquée dans la main pour te guérir. C'est à moi, mon ami. Répise désert, répise solitude. Non, le maquement, tu voulais garer, abriti, effaré. Il y a abriti, il y a égaré, il y a effaré. Je ne sais pas comment ça va dans le gaz. Pas qu'on est qui bout pour draper. Non, 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 non. Nous connaissons qui bout pour draper nous. Pour lequel nous connaissons qui nous boit. Vous suivez moi la même famille? Oui. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Oui. Et ils les délivraient de leurs angoisses. Leurs angoisses au pied. Après qui père, il les conduisit par le nouveau chemin. Oui, oui, oui. Bon, tu savais pas, mais nous, même cascade, bois noyer. Il va pas même un précipice. Non, non, il va même se mettre droit. Dans la droiture. Il les conduit. Jésus-Christ, m'a dit quand je suis venu, il vous conduit nous dans toute la vérité. Alors, maintenant, vous allez me faire, vous pouvez vous avec lui. Je ne peux pas me promener, je ne peux pas dans les piscines. Mais il demande sur le rayon. Tu ne peux pas quitter l'endroit. Non, oui, je ne me connais pas et puis. La vérité là, elle se fait dans ça. C'est le mot de la vérité pour tout le monde. C'est le mot de la vérité pour tout le monde. La vérité. C'est le mot de toute l'assemblée, la vérité. Donc je ne dis pas ça par son là. Là, je sais la vérité, c'est la parole. Il y a ça qui va se faire un visite de la vérité. Mais pas le mot de la vérité. Elle est déjà dans la parole. Oui, oui. On parle le mot de la vérité. Jésus-Christ, c'est la vérité. Oui. La parole, c'est la vérité. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. La vérité. Mais si elle est l'église, c'est pas la vérité qui vous pose. La vérité de Christ. Oui, pas la vérité de l'évangile. Oui. Et que suivez-moi la même famille. Oui. Comment ça? Crie dans votre détresse, je crie vers bon Dieu délivre les autres, bon Dieu prend les autres, pour qu'il arrive dans une ville habitable. Là, il mettait sans trouver une ville où il faut s'habiter. Tu mettais là, sans trouver une ville. Le relais n'est pas bien la vérité là. Après, il y a un peu de bizarre, il fait l'abus. Comme ça, quand la bouille sort, il y a tout à l'heure. Non, 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 vous avez une vue là où la vie. Après, il mettait verset 8. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Ouais. Quand il c'est Dieu, quand il a satisfait l'âme altérée, c'est altérée, assoiffée. Qu'est-ce que la reine était là? Ouais. Il souffrait de la faim et de la soif. Ouais. Une âme sec, par sa désir là. Ouais. Une âme, tu parles par sa désir là, sec. Qui s'apporte. Ça veut dire des amis à des loups. Nous sommes là, assoiffés, affamés.
de comprendre sa bonté là, sans Dieu. Quand il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Pas ça dans la Bible, okay, l'âme affamée. Il a, verset 9, il a satisfait l'âme altérée, mais il a assoiffé. Non, il a comblé de bien. Qui l'a arrivé? Il remplit ma bite là, maman. Qui s'est comblé? Il remplit ma bite tout est là. Il a comblé de bien l'âme affamée. Verset 7 le groupe, ça, verset 7 le groupe. Vous avez suivi moi là, ma famille? Oui, oui. Moi, quand j'ai mis ça, ça a l'air la cafale de Dieu. Oui. Verset 10. Ceux qui avaient pour demeure, tant ça, les ténèbres, que tu demeures, ma famille? Ceux qui avaient pour demeure, les ténèbres et l'ombre de la mort. Oui. Et la version avec ses jours de mort. Non, mais pas ses jours de mort, moi. Oui. Pas dans ténèbres, l'ombre de la mort, moi. Vivez captif, c'est les captifs. Enchaîné. Emprisonnés. Oui, oui, oui. Vivez captif dans la misère et dans les chaînes. T'as dit ça, mon père. Non, tout là-dedans, là-haut. Non. Quand on compte bon Dieu, quand tout là-dedans, là. Non. Vivez captif. Mais la Bible s'est expliquée, s'est expliquée. Vivez captif dans la misère et dans les chaînes. Les chaînes. Parce qu'il. Mais vous dites quoi de bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu. Parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu. Parce qu'il avait méprisé le conseil du Très-Haut. Oh, peut-être qu'il y a un conseil de Dieu à moi. Méprisé, pas pour moi. Méprisé. Méprisé, révolté contre ma parole. Tout le monde, ça va voler. Ouais, ouais, c'est vrai. Méprisé. Vous n'avez pas mentir l'obstacle, mauvais. Bon, c'est pour quelqu'un l'obstacle. C'est pas bon, moi. Mon parcours dans bon Dieu. Quel temps dit bon Dieu là bon? Pas de parcours dans, il reste tranquille. Bon Dieu extraordinaire, il nous fait servir. Bon Dieu, mais chrétien arrive au délivrance à l'époque avec une dame. Parce que moi, mon petit mal, mercredi suivant, mon petit passé devant moi dans le rétin. Mon petit passé devant moi, il rentre avant moi avec une dame, un mercredi. Ça me quittait le parcours dans bon Dieu. Il arrive, je vais prier pour lui. Vous êtes un peu comme tout bon, c'est bon. Vous avez une certaine sagesse, oui, oui. Là, on se rappelle une discussion entre nous. Ouais. Une sagesse. Tu me suis moi là. Exact. Moi, ma Paul, mais pas où la ville est belle. Oui, oui, oui. Sur l'esprit irrité contre un idole. Mais il y a un rayon, vous voyez, tiens. Tiens, votre rôle extrêmement religieux. Parce que ça m'a idole la plaine. Tiens, votre rôle extrêmement religieux. Je te fais ado. Ce banc de divinité, même vous trouvez dans l'hôtel qui mettait un dieu étranger. Ouais. Un hôtel partout. Ça gagne la son nom. Vous êtes extrêmement religieux. Je perds beaucoup plusieurs dieux. Même un dieu mettait un dieu inconnu. Ça dieu inconnu là, ça me mobile l'annonce. Et ça sera geste là. Ça dieu inconnu là. Ça ne me saute pas connu là. Moi, mobile l'annonce. Ouais. Vous avez besoin de la conversation, de la sagesse, pas blesser le monde. Alors pense bien sûr. Mais tiens, ce sera le but. Suivez-moi la parole. Oui, oui. Je te révolte contre la parole, bon Dieu. Je méprise ça, conseil du Très-Haut. Peine maillant nous, pas de chrétien. Oui. N'a pas méprise, conseil, bon Dieu. Pas dire. Il y a certains qui disent ça. Il y a un moment de l'église avec qui parole me tend. Peut-être pas ici, ce temps moi. Bon Dieu, mais nous parlons là pour corriger. Si. Peut-être la bande danse, puis attend nous divant, la bande pièce, la bande la trappe. Dieu, fais nous sa parole là pour avertir où pour pas rentrer dans pièce là. Pour pas mettre discerner ça là. Et la tempête peut-être nous divant. Où ici, tranquille, le ciel bleu, de l'eau, calme. Dieu peut avertir où, prends ou pas de précaution. Si vous pouvez m'assassiner, qui va bon là, sans s'y mettre.
Tiens, dans la prison. Non, pas reste dans la prison. Pas reste dans la misère, pas reste dans la scène. La Bible dit à nous, Dieu a humilié sur tes pieds pour la souffrance. C'est une preuve, ça. Il succombait, personne ne le sait. Ça passe pour les autres corps. Personne, dans leur détresse, qui le fait? Il criait à l'éternel. Il a humilié sur tes bambons. Et m'a menacé dans des chroniques 33. Il a menacé Gorson et Ezekias. Tout prophète qui cause avec moi. Menacé par mon ton bébé. Soit que ton père est pas bon. Je vais te rassurer, grâce à ton papa Ezekias. Pas écouter, pas écouter, pas écouter, pas écouter. Quand on pas écouter, continue, pas écouter. Il m'a révélé. Là, la grâce. La grâce, c'est où qui sont en haut la grâce? Jamais bon Dieu enlève sur la grâce, vous abonnez. Dans la nouvelle alliance, jamais bon Dieu enlève sur la grâce. Jamais bon Dieu enlève sur protection. C'est ou pas désobéissance ou rébellion ou incrédulité ou sortir des hauts. C'est peut-être à moi là. La Satan qui s'avère, c'est là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, quand il demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre. Ça connaît quoi là? Elle l'a fait. Elle n'a pas encore tranché. Elle n'a plus tranché, elle est tombée, elle n'a pas tranché. Tu perds. Nous, elle a abrité là. Elle a abrité. Elle a abrité. Ne pouvez pas abriter. Quand on abrite tout sur la parole de Dieu, nous recevons un conseil de Dieu. Nous ne pas révolter contre la parole de Dieu. Contre nous, nous comptons la parole là. Nous faisons quoi d'avis dans nos siècles de parole dans nos guerres. On ne va pas pécher contre toi. La Bible dit notre détresse, notre crime vers mon Dieu, et il les délivra de leurs angoisses. Oui. Après, tu mets tes versets à toi. Il les fit sortir. Non, qui a-t-il mis tes versets tout ça là? Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et les ondes de la mort, vivaient captifs dans la misère, à la seule condition. À notre condition. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Ex-famille, nous parlons de terrible, nous. Nous allons enfants de la lumière. Nous allons enfants, nous morts dans la lumière, pas morts dans la ténèbre. Nous ne sommes pas enfants marés noirs, nous. Eh bien, nous sommes du jour, nous appartenons au jour. Paul, c'est un langage spirituel là. Nous appartenons au jour. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous morts de la lumière. Nous ne pouvons pas faire quelque chose caché en bas qui, bon Dieu n'a pas approuvé. Faire quelque chose dans la transparence. Moi, je crie, ben, bon Dieu, tiens, je sais ça. Il est fils au Dieu des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leur lien. Tu t'en dis qu'il nous payait là? Oui. Il rompit leur lien. Casse la scène. Cassé. Après, tu me dis qu'il loue l'éternel pour sa bonté. Oui. Et pour ses merveilles. En faveur de Dieu. Et ça, la scène, il casse. Pas là, t'as soif. Après, verset 16. Quand il a brisé les pots des reins, les pots de pierre, ban la pot en bronze qui en fait sous son outil, pour être en place. Bon Dieu brise ban lien, casse ban la peau. Si vous pouvez noter là, Isaïe 45, vous savez, c'est le premier à 5. J'ai sa ban la peau, là pour s'ouvrir, pas pour faire mes amis. Parce que je casse sa ban la peau de bronze, je brise ban verrou. Verset 17, ça ne le coupe pas vous, elle ne le coupe pas vous. Mais si vous parlez de ma mamie, les insensés, vous êtes insensé où? Vous parlez, diable, vous prenez insensé, qui vous êtes? Enfin, ouais, sage selon Dieu, ou intelligent selon Dieu. Insensé, la tête qui va écouter, la tête dire. Non, vous faites d'après moi. Oui. Donc, tu prends une couche, tu tombes dans la patate. Mais par contre, si tu mets dans la patate, tu tombes. Ça dit qu'il y a Jérusalem là. Dis que ça fait 10. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme, tu sais, pourquoi je parle des autres donnés qu'on sait, pourquoi je parle des autres qui un homme, descendez, deuxième descend, il tombe en comment il descend, il tombe dans la même bande, maintenant il dépouille. Elle la pente, en fait, elle la pente. Aujourd'hui, il y a un homme qui est assisté. Qui est assisté. Moi, je disais, mais oui, donc tu sais, mais là, par rapport à ton système, il y a qui ça pour trouver un système de bénédiction, tu continues à aller. Tu poses une question, des questions, tu poses. Il y a qui ça qui vient tomber en bas, il compte avec son en bas, il va pour élever. Alors, où vous avez la réponse? Non, si vous tombez, vous relevez moi. Si vous avez moi, si vous qui traverse, bancal, cabossé, vous relevez. Non, vous vous sentez. Vous ne pas dans l'autre là.
Si on prend une décision de la famille de Dieu, pour sortir la décision là, si on prend une démence qui bon Dieu n'a pas fait approuver, non, non, non. Le Saint-Esprit pour penser à nous. Oui, dans la présence de Dieu, bon Dieu pour penser à nous. Je perds là. Ma naissance est là pour leur conduite coupable. Mais c'est les insensés, bon, nous n'avons pas de conduite coupable, nous. Mais nous conduisons. Comptez selon le Seigneur. Nous n'avons pas de conduite coupable, coupable. Nous sommes qui rendent nous coupables. Moi, peut-être le petit crochet, ma l'esclavisation, condamnation là. Mais quelque chose qui est coupable, pour nous même coupable. Qui ça veut dire quelque chose qui n'est pas bon, qui déplaît à bon Dieu. Même déplaît à du monde. Parce que rappelez-vous, Jésus-Christ, si tu grandis en sagesse, ouais, devant Dieu, devant les autres, ils ont disparu. Daniel, allez à témoignage Daniel. Daniel, oui. Eh bien, nous, pas la veille sur la nuit, ouais, pas tout le monde de mal. De mal, oui. Pourquoi Daniel, l'homme, ouais, de Jésus-Christ, quatre fois bon sur ce témoignage. Je n'ai trouvé rien de mal en cet homme. Il n'a pas mérité l'amour. Faites ça, ça ne nous pas le rendre tout la terre. Oui. Nous la vie de tous les jours, nous. Nous avons une responsabilité dans nos propres la vie de connaissance. Mais pour nous la bouche. Dans Somme 12, un Vatican dit, nous la bouche en nous, nous disons ce que nous avons envie. Allez, on trouve. Tiens, nous-mêmes mettons nous la bouche. Nous disons ce que nous avons envie. Est-ce que nous avons fait ça, nous? Non. Pourquoi ça que nous avons envie? Non, non, non. Non, non. Est-ce que ma conduite, comment elle est conduite? Ma conduite, elle est une conduite coupable? Tu as dit que c'est un enfant de Dieu, ça. Que ça garçon un tel, ça. Et tu fais un tel, ça. Non, il ne faut pas un bon témoignage, ça. Bon témoignage. Parce qu'il ne passe plus beaucoup le temps de haut l'église, vous comprenez ça? Je ne pose pas tout l'heure. Les insensés par leur conduite coupable. Et par leurs iniquités. C'est l'iniquité des chanceliers. Un petit seul qui fait mal, un petit seul qui va faire plaisir à mon Dieu. C'était rendu malheureux. Qui ça veut dire c'était rendu malheureux? Qui ça veut dire ça? Bon Dieu qui rend d'autres malheureux là? Même d'autres rendent d'autres malheureux. C'était rendu malheureux. Vous êtes conduit coupable, vous êtes simulé de dénoncer, vous êtes façon de péagir, vous êtes conduit. Vous êtes suivi moi là? Qui ça veut dire que vous avez une propre responsabilité? Rappelons nous-mêmes. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même. L'enseignement, c'est top, top. L'enseignement, top. Maman, top, mon petit. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même. Tu es bien ton propre gardien. C'est un petit exemple, dit à Timothée. Bon, tu n'as pas un esprit de crainte, esprit de timidité, vivre dans la crainte, dans l'esclavage. Dieu nous laisse plus de pause, d'amour et de sagesse. Tu vas rappeler, tu as posé toi les mêmes, tu vas mettre sur toi. Va l'enchaîner avec pauvre petit toi. Ton grand-mère, tu as la foi. Ton maman, elle a la foi. Tu as la foi dans toi. Mais après ça, arrête de gagner Père, Timothée. Tu es comme ça qu'un pasteur, l'église épaisse. Ranime ça, tu fais qui dans toi, là, Timothée. Pourquoi ça? Je sacouillais. Je sacouillais. Bon, je sacouille, nous, pourquoi? Conduite coupable. Peut-être à nous-mêmes malheureux. Paul dit à Timothée, ils se jettent eux-mêmes, mais comme un chrétien là, ils se jettent eux-mêmes dans les tourments. Ils se jettent même dans la pièce. Et où là? Non, non, non. Acceptez ça, moi. À cause de ça, ou bien tout le temps, ou en connexion avec le Père, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, comme nos fraternels. Parce qu'ils sont en présence de bonté, de mal conseil, de mal instruction, de mal directive. Paraît bon, tout bon paraît là. Nous, vous avez un directif bon qui est là. Quel bois avait au lieu? Proverbe, c'est des quoi? Mais pour moi, Proverbe 14, il y a ça, Proverbe 16, ils sont pas nombreux. Quel bois paraît droit à un homme? Il paraît droit, mais son issue, c'est la voie de l'amour. Qui ça dit? Tel bois paraît droit, il paraît tout bon là. Issue comme ça, son finition. Non, 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 pour ça, vous êtes discerné. Dans ma tête, pourquoi hier, mon Dieu, moi? Mais bien, la palmasse, ça m'a enchaîné un sentier là. Un sentier ou non, c'est ça? Palmasse, ça m'a enchaîné un sentier. Il y a un sentier nouveau, c'est là. C'est très nouvelle, une route nouvelle et vivante par ce sang. Nouvelle.
Leur âme avait en horreur toute nourriture. C'est pas le petit gars insensé là, ça. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Pas envie d'écouter la parole. Pas envie de dire la parole. Ouais. Et ils touchaient aux portes de l'amour. Tant ça, mon là-haut, c'est dans l'ombre de l'amour. Ténèbres. Elle le trouve, ça. Hein? Ils touchaient aux portes de l'amour. Après, qu'il oublie après. Dans leur détresse. Vous voyez comment il parle de la Bible là? Oui. Dans leur détresse. Alors que ça veut crier. Ce qu'on montait déjà à la prochaine, c'est une révoltée. C'est insensé, ce conduit de coupable. Mais maintenant, si mec va bien, ce conduit, pas plaire à bon Dieu. Ce comportement, pas agréable à Dieu. Parce que mes sens se font mal, mais quand je suis même malheureux. Est-ce que, ma famille, pourquoi c'est extrême ça? Il touchait au bord de l'amour. Pas d'extrême ça. Pourquoi? Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Tu ne veux pas monter délivrer, ma famille? Tu vas donc crier pour te délivrer. Verset 20. Il envoya sa parole et il les guérit. Viens avec moi, bon Dieu envoie sa parole. Bon Dieu envoie sa parole. Sa parole bon Dieu envoie maintenant envoyé dans Jean 3, 34, il y a ceux qui sont, ceux que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Ceux qui bon Dieu l'a envoyé, ils annoncent les paroles de Dieu. Est-ce que vous connaissez le maintenant envoyé de Dieu, nous? Oui. Vous pouvez recevoir l'appel de Dieu. Comment vous pouvez les strates pour ouais. Presser? Mais sur l'intégral, il se met dans la rue, il se met dans le bus, il ne faut pas qu'il envoie, qu'il y a une situation, tout le monde n'a pas envie de Dieu. Mais ça allait là, on va envoyer de Dieu là. Ça allait là, on va donner les paroles qui pourraient guérir, pour libérer, pour délivrer. Vous avez fait un grand petit garçon, pas mal de temps, on va aller dans le quatre fois, on dit bon Dieu là, bon là. On dit, toi-même, tu n'as pas envie de dire quatre fois bon Dieu, bon. Reste tranquille, on va se continuer, on va aller, reste tranquille. On va aller mettre un rayon de l'immense. Devant, dans mon tout cul devant moi. Peut-être par l'un pas sur l'épée. C'est mon sein. À ça, dit que ça serait son facteur quand tu m'en sais, mon Dieu. Viens avec moi, bon Dieu, envoie sa parole. Sa parole apporte la guérison, la délivrance, la joie, la paix, la grâce, l'assurance, tout bon miracle que tu attends dans la vie de tous les jours. Aime-moi la souplesse du temps. Terminons là. Qui m'était appelé? Il les fit échapper de la fosse. Elle posait, sa fosse là, elle l'abîme sans fond. Elle pouvait équiper la fosse. Si elle a bon Dieu, on peut se ça dans le bon Dieu, quand on prie le bon Dieu, bon Dieu, bien beau. Mais ça, nous prenons sa situation là, nous, hein? Ouais. La fosse ténèbre. L'ombre de l'amour, c'est sous des mots. Pas de cette situation-là. Ça m'a dit situation extrême, là, extrême, là. Qu'ils appellent là, ou terminons là. Là. Verset 21, verset 22. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Tu ne comprends pas, mais tu ça là. Après, verset 22. Tu ne comprends pas, mais ça là, il y a tout un petit chose là. Verset 22. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce. Permettez ça avant. Là. Non, il permet ça avant. C'est-à-dire qu'il offre, il a la saxana. Ben qui me délivre là, oui. Ben qui gagne un miracle là, oui. Ben qui sape de l'amour, ben qui sortit de la fosse là. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'eau. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Marie ta même. Oui, Seigneur, c'est nous-mêmes. Et ça, il y a verset 23. Ouais. Vous donnez un dévot à nous la parole. Ouais. Allez à verset 23, c'est verset 43. Ouais. Là où tout le monde l'eau, bateau fait comme ça. Ouais. Bateau fait comme ça, bateau fait comme ça. Bah, marin expérimenté, pas connu qui vous fait. Je fais crier, mais bon Dieu, dévot. Faites tempête là, arrêtez l'escale. Ouais. Bon, puis tempête cessez là où la vie. Ouais. Tout calme, tout tranquille. Rive à mon Dieu, monter les poches. Louer lui, adore-lui. Peut-être que tu vas adorer, louer lui. Elle, louons. Peut-être, vous ne rentrez dans ton pays là-haut. Ouais, ouais, c'est vrai. Vous ne rentrez pas dans la détresse là. Pas attendre quand vous êtes dans la détresse pour rive à mon Dieu.
pas tant qu'on a une situation difficile pour crier vers lui. Donc je vais t'en voir avant de parler. Lui a donné une longue pénimence fidèle avec lui, contre le Saint-Esprit, et une bonne conduite, un bon comportement, un bon langage. J'ai les autres l'eau, nous reconnaissons. Amen. Avec les parisiens observés Jésus. Oui. Quand nous sortons à côté, nous pouvons vers nous. Bon, les rentrer, on donne le tour. Elle n'a pas de perdre, on donne toute la parole, moi. Elle n'était pas la même idée, les gars. Jolie zip, jolie blouse, jolie zip, jolie. Nous sommes tous sortis, que t'as l'autre. Non, mais nous sommes la parole. Oui. La vie de nous, dans sa carrière, quand on va piquer, nous connaissons qui montait avec nous. Ouais. Je trappe là. J'ai vu. Ouais. Trappe là, j'ai vu. On vit une bête avec toi, là. Amène-moi quand tu peux aller. Amène-moi quand tu peux aller. Est-ce que vous remerciez le Seigneur sur la parole, là, maintenant? Est-ce que le Seigneur parle de la parole de la sainte-sainte?